Bonsoir à tous. Vous m'entendez? Oui. Oh mon Dieu, c'est fantastique, un vendredi. Voir autant de monde à l'Alliance, c'est toujours une surprise. On ne sait jamais comment ça va se passer, s'il va y avoir 50, 60, 200 personnes. Là, vraiment, merci à vous. C'est un moment un peu particulier parce que toutes les alliances du monde, et il y en a 850, ne possèdent pas toutes une troupe de théâtre. C'était plutôt vrai dans les années, on va dire, 60, 70, où il y avait vraiment une dimension de théâtre populaire que les enseignants, en général, reprenaient dans leur alliance pour faire vivre avec leurs étudiants, surtout avec leurs étudiants, des moments comme ceci. Alors on les retrouvait à Noël, on les retrouvait en fin d'année, un peu sur le modèle des activités qu'on fait à l'école. Mais nous, depuis maintenant, on va dire, 2 ans, on a une troupe de théâtre. Et moi, je suis vraiment très content de vous accueillir aussi nombreux ce soir. C'est le moment de venir saluer des gens qui se sont engagés, qui ont travaillé comme des fous, qui ont paniqué, qui se sont échangés des rôles, qui ont improvisé, vous savez, comme ça peut se passer quand on monte un spectacle comme ça, entre amis. Alors, ils sont, regardez, ils sont infirmiers, instituteurs, profs de français, managers, strategy and development, étudiants en orthophonie, marketing, communication, assistant de direction, et une femme au foyer qui fait du bénévolat. Donc, on a vraiment tout le panel de ce qu'on peut faire dans la vie, donc ça c'est assez remarquable. Et on va aller ensemble au musée, voilà, donc il est le jeu de mots, amusez-vous, avec ces extraits de la pièce Musée au musée bas de Jean-Michel Rive et de la pièce Art de Yasmina Reza. Le musée, c'est pas un endroit anodin, c'est un endroit où on retrouve les choses du passé, on se retrouve qui que l'on soit, avec des lieux qui sont parfois des endroits un peu magiques, un peu surprenants. Donc tout ça, c'est la magie du théâtre, donc je ne vais pas en dire plus. Je vous remercie une fois de plus d'être là avec nous. Et puis, je n'ai pas vu le spectacle, donc je vais faire comme vous, je vais le découvrir. Je vous demande d'applaudir pour les réchauffer. Non, Paul Gauguin. Ah, bon.
Il apprenait par cœur le prospectus.
le prospectus qu'on distribue à l'entrée. Et il le répétait aux gens pendant la visite. Un prospectus gratuit. Et lui, Pierre, pour 20 euros, il le répétait. Non mais tu te rends compte, Carnac ? À Toulouse ! À Toulouse. Non ! Crois-moi, les gens qui ne ressentent pas, ils ne ressentaient pas plus quand Pierre avait terminé. Ça m'étonnerait quand même ! Un futur assassin qui vous parle, c'est comme un héros de Corneille. On est pris, on ressent forcément ! Tu crois ? Mais bien sûr ! C'est comme quand tu me tues ! Je ressens ! Il y a de la tragédie dans ma voix. Ouais, je te rappelle qu'il récitait un texte qu'il avait appris par cœur. Et alors, les héros de Corneille, ils connaissaient aussi leur texte par cœur. C'est comme le prospectus, c'est jamais le héros qui l'écrit. C'est vrai. Excuse-moi, mais c'est des cours à Toulouse. Parce que s'il ne faut pas la différence entre une visite avec un guide normal et une visite avec un guide qui va étrangler sa femme. Je connais pas Toulouse. Tu connais pas Toulouse en plus, hein? Non. Tu sais pas comment, hein? Jacqueline, je ne ressens plus. Mais Josette. Mais où sont les Kandinsky? Ça fait 2 heures que je les cherche. Les Kandinsky. Kandinsky, c'est le peintre. Et les Kandinsky, ce sont les tableaux. Je cherche les Kandinsky. Oh. Impossible, il y a bien des Kandinsky à cet étage. Et où sont les Kandinsky? Je ne les trouve plus. Tu as vu Sophie ces derniers jours? Pas vu. Et toi? Vu hier. En forme? Très. Elle vient de s'acheter un tableau. Ah. Ah bon? Mm-hmm. Et beau? Blanc. Blanc? Blanc. Représente-toi une toile d'environ 160 par 120. Fond blanc. Entièrement blanc. En diagonale, de fines rayures transversales blanches, tu vois. Et peut-être une ligne horizontale blanche en complément vers le bas. Mais comment tu les vois? Pardon? Les lignes blanches. Puisque le fond est blanc, comment tu vois ces lignes? Parce que je les vois. Parce que mettons que les lignes soient légèrement grises ou l'inverse. Enfin, il y a des nuances dans le blanc. Le blanc est plus ou moins blanc. Ne t'énerve pas, pourquoi tu t'énerves? Tu cherches ton dossier de la petite bête. Tu ne me laisses pas finir. Bon. Alors? Bon. Donc, tu vois le tableau? Je vois. Maintenant, tu vas deviner combien Sophie l'a payé. Qui le peintre? Antrios, tu connais. Non. Il est coté? J'étais sûre que tu poserais cette question. Logique? Non, ce n'est pas logique. Mais logique, tu me demandes de deviner le prix d'un tableau. Tu sais bien que le prix est en fonction de la cote du peintre. Je ne te demande pas d'évaluer ce tableau en fonction de tel ou tel critère. Je ne te demande pas une évaluation professionnelle. Je te demande ce que toi, Evelyne, tu donnerais pour un tableau blanc, agrémenté de quelques rayures transversales, blanc casque. 0 centime. Bien. Et Sophie, articule un chiffre au hasard. 10 000 ha. 50 000 mm-hmm. 100 000 Vas-y. 15 20 20 20 briques. Non, si. 20 briques. 20 briques. Mais elle est dingue, n'est-ce pas? Remarque quoi? Ça lui fait plaisir. Elle gagne bien sa vie. C'est comme ça que tu vois les choses, toi. Bah, tu les vois comment, toi?
Tu ne vois pas ce qui est grave là-dedans? Non. C'est curieux que tu ne vois pas l'essentiel dans cette histoire. Tu ne perçois que l'extérieur, tu ne vois pas ce qui est grave. Mais qu'est-ce qui est grave? Tu ne vois pas ce que ça traduit. Tu veux dire quel jour? Tu ne vois pas que subitement, de la façon la plus grotesque qui soit, Sophie se prend pour une collectionneuse. Ah oui. Désormais, notre amie Sophie fait partie du quota des grands amateurs d'art. Mais non. Bien sûr que non. À ce prix-là, on fait partie de rien, Evelyne. Mais elle le croit. Ah oui. Ça ne te gêne pas? Non. Si ça lui fait plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire si ça lui fait plaisir? Qu'est-ce que c'est que cette philosophie de si ça lui fait plaisir? Dès l'instant, il n'y a pas préjudice pour autrui. Mais il y a préjudice pour autrui. Moi, je suis perturbée, ma belle. Je suis perturbée, je suis même blessée. Si, si. De voir Sophie que j'aime se laisser plumer par snobisme et ne plus avoir un gramme de discernement. Tu as l'air de la découvrir. Elle a toujours hanté les galeries de manière ridicule. Elle a toujours été un rat. Mais un rat de qui on pouvait rire. La vois-tu, au fond, ce qui me blesse réellement, c'est qu'on ne peut plus rire avec elle. Mais si. Non. As-tu essayé? Bien sûr, j'ai ri. De bon cœur. Que voulais-tu que je fasse? Elle n'a pas desserré les dents. Vabrique, c'est un peu cher pour y remarque. Avec moi, elle rira. Mais t'endrai, donne encore des noirs. Elle rira, tu verras. Je ne trouve pas les Kandinsky, c'est dingue. Les Kandinsky, je vous dis. Je sais plus où ils sont, les Kandinsky de Kandinsky. Je vais tout de même pas gueuler dans un musée! Où sont les Kandinsky? Je les trouve plus! J'aime l'ambiance des musées. Oh! C'est comme moi! J'aime pas les croissants, mais j'adore l'odeur des croissants! Allez, l'odeur et l'ambiance, c'est pas pareil, Cindy! Ah ben non! C'est les croissants et les musées qui sont peints pareils, Louis! Oh, loser! Si tu veux. Non, 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 non. Oh, oui, oui, oui.
Antrios. Oui, oui, oui. Antrios des années 70. Attention, il a une période similaire aujourd'hui. Mais celui-là, c'est un 70. Oui, oui, oui. Oui. Et... Chef? Dans l'absolu, oui. En réalité... Non. S'il te plaît? Oui, oui, oui. Évident. Évident, oui. Et en même temps... Magnétique. Oui. Oui, oui. Et là, tu n'as pas la vibration. Un peu? Non. Il faudrait que tu reviennes à midi. La vibration du monochrome, on n'a pas en lumière artificielle. Oui, oui, oui. Encore qu'on ne soit pas dans le monochrome. Non, non, non. Non. Et... Combien? 200 000. Eh oui. Et j'ai peur pour nous, Thérèse. Oh, c'est juste une exposition, Hervé. Tu veux que je
te dise. C'est peut-être juste une exposition, mais le résultat, c'est que tu es totalement bouleversé par 350 photos de bites. 350. C'est pas moi qui les ai comptées, elles sont numérotées. Moi aussi, figure-toi. Je suis totalement bouleversé de te voir bouleversé par 350 photos de bites. Non, 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 Thérèse, non. Je sais ce que tu vas me dire. Si je suis moi-même très ému par ta propre émotion, c'est qu'en réalité, ce sont à travers toi les 350 photos de bites qui m'atteignent. Et donc, que l'exposition est forte. Hervé. Hervé. Oups. Hervé. Le travail de Gianni Perdilli est sur... Attends, Thérèse. Attends. Tu es mon épouse. Tu es la mère de Lily, de Kevin et de Maxime. Et de Lucien. Alors si tu permets, et de Lucien, et de Lucien. J'aimerais que tu n'oublies pas, comme d'habitude, Lucien. Non mais Lucien, il n'est pas de moi. Alors, si tu veux bien, on ne va pas commencer de parler de ceux avec qui tu as... Ah non, 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 t'y restes pas après cette exposition. Bon, ça suffit. Où tu vas, Thérèse? Tu vas acheter le catalogue? Thérèse! Thérèse, tu vas acheter le catalogue ou tu vas pas acheter le catalogue? Oh, j'adore! Oh, j'adore! 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 Georgette! Il n'y a rien à dire! Face à ça, non mais la seule réponse, c'est le silence. Le silence total. Le silence absolu. Non, ça ne mérite que le mutisme. Ne rien dire. Ne pas parler. Ne pas en parler. Chut. Bouche cousue. Lèvres collées. Lèvres soudées. Rien ne sort de là. Surtout, ne pas donner d'existence à cette merde par le moindre discours. Non, sûrement pas. Dans ces cas-là, je ne parle pas. C'est simple. Là, je ne parle pas. Je me relève, et je me tais. Je me tais. Je me tais. Je me tais parce qu'il faut qu'il le sache. Je suis capable de me taire pendant des heures. Ça ne me demande aucun effort. De me taire. Tu comprends? Mais tu me dis quelque chose, là? Oh, je me tais, Pour moi, c'est la revanche de Michel-Ange. Ah bon? Mais oui, je ne pense qu'à lui. Tous ces sexes sublimes, d'apôtres, de saints, de damnés. Et ils sont là, tous les primés de l'art, les exclus de l'art, ils sont là, fiers et libres. Enfin, on nous prend pour des adultes. C'est vrai que c'est une exposition très adulte. Très adulte. Totalement insensé, un des génies de l'humanité. De l'humanité? Qui peint sur le plafond d'une minable chapelle du Vatican. Du Vatican? Du Vatican. Du Vatican. L'intégralité de l'appareil génital biblique. Et aussitôt peint, on le recouvre d'une serviette. Comme si dans la vie, il n'y avait que le doigt. Toucher le doigt. Ce qui n'est pas une attitude très adulte. Mais, Laurent, qui a recouvert les sexes de Michel-Ange? Les papes? Qui veux-tu que ce soit? Les papes? Mais oui, les papes! C'était leur passe-temps favori de recouvrir les sexes. Faudrait savoir ce qu'ils veulent, les papes!
des adultes, les femmes. Et l'immobilité, jeune homme, c'est ça qui est fascinant. L'immobilité de toute cette queue, ce côté mât, pylône. Et ça, c'est la photo. La photo, c'est l'objet pétrifié, immobile. Non ? Vous trouvez ? Ah, j'en suis sûre. En peinture, elle bougerait. Enfin, pour moi, elle tanguerait. Tandis que là, regardez, on dirait que je n'existe pas. Et pour vous ? J'existe. Beaucoup, madame. Beaucoup. Laurent ! Mais Laurent ! Mais je comprends pas. C'est 350 photos de sexe différents. Ou c'est la même pine photographiée 350 fois. C'est comme on veut, Sophie. Mais comme on veut. Mais comme on veut, mais t'es marrant, toi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le chef de cabinet. Bonjour, madame la conseillère. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Comment allez-vous? François-Marie, ça va? Bonjour. Miou, Philippe Miou. Bonjour, bonjour, ça va bien? Vous êtes venu avec la famille? Bonjour, bonjour. Le trajet était impeccable, tout va bien. Bonjour, merci d'être venu. Hein. On est très content que vous soyez là, merci beaucoup. Oh, bonjour, Françoise, ça va bien? Oh, mais c'est magnifique. Ariane. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, Ariane. Ma pauvre Charlotte, tu as l'air tout pâle. C'est que je débarque d'Avignon, alors... Pauvre Charlotte. Masque ! Cher masque ! Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Alors là, c'est un sans faute. Bravo ! Bravo ! Là, on est devant. Loin devant. Où est notre artiste? Il était là à l'instant. Non. Ah. Il était là. Vous le féliciterez de ma part. Vous le féliciterez pour moi. Hein? Il faut que je file. J'ai un concert ce soir à l'abbaye de Moulomont. Et avant, il faut que je décore cette animatrice de jeu télévisé si sympathique. Son nom m'échappe. Comment s'appelle-t-elle déjà? Pépita? Non. Non. Chiquita? Non! Je ne sais plus. Nous nous sommes là, je suppose. Oui, vous venez au Palais des Arts? Oui. Ah. Eh bien, dites-moi, cher ami, qu'est-ce que vous pensez de cette exposition que j'inaugure? Les nains de jardin? Oui. Ce n'est pas un peu con-con, tous ces petits gnomes barbus avec un bonnet rouge et une belle verte dans un musée national? Il y en a quand même certains qui sont assis sur des bancs et d'autres qui poussent des brouettes. Oui. Mais vous avez raison. Il ne faut pas juger trop vite. Bon, alors à demain, Mosque. À demain, monsieur le ministre. Ah, à l'Epocone. Je suis content de vous voir. Salut. Salut, mon Epocone. Ah. Alors, vous êtes au courant? C'est fait. On le construit, le musée d'art modeste. Tout près de Notre-Dame. Waouh. Il y aura tout ce monde qui nous bouleverse tant. De Pif le chien au petit nègre de Banania, avec vous bien entendu. On ne pouvait plus laisser tous les gens merveilleux dehors. C'est amusant. C'est nouveau, non? Oui, ce sont des bâtons d'explosifs. Je vais tout faire péter moi avec. Pourquoi faire? Pour faire joli. Nous voici dans la salle de l'art présent, où l'artiste a voulu rendre compte de la créativité du terrorisme. Laissez-moi.
aujourd'hui les images les plus inventives et en même temps les plus populaires, puisqu'elles sont accessibles à tous. Mais on est en train de crever! La liberté est en train de crever! Ah, je sais, madame! Je sais! C'est précisément ce que cette personne est venue voir! Vous noterez au passage le clin d'œil ironique de l'artiste dans sa façon de traiter l'attentat, qui a lieu dans un musée, alors qu'il n'y a jamais eu d'attentat dans un musée. Ce qui est injuste. Entre autres. Et on en parlera dans les journaux? Oui, bien sûr. Et à la télévision. Et à la radio. Un bel attentat comme ça, tout le monde en profite. Bien, nous allons nous diriger à présent vers l'aile gauche. Où vous pourrez admirer une très belle exposition sur le devoir de mémoire. Oh, mais c'est dégueulasse ça! Ah, mais quel carnage alors! Par où je vais commencer? Ah, bah, par celui-là, tiens! Tu sais, je sais pas ce que tu ressens pendant que tu visites l'exposition qui compte. Ah bon? Non, c'est ce que tu ressens après. Par exemple, il y a 3 ans, en sortant de l'exposition Picabia, j'étais content. Tellement content. Quand je suis rentré chez moi, j'ai quitté ma femme. Définitivement? Oui! C'est un grand peintre, ce Picabia. Un génie, Max! Un génie! On a ri. Tu as ri? On a ri. Je te le jure sur la tête de François, on a ri ensemble, toutes les deux. Tu lui as dit que c'était une merde et vous avez ri. Je lui ai pas dit que c'était une merde. On a ri spontanément. Tu es arrivée, tu as vu le tableau et tu as ri et elle a ri aussi. Oui, si tu veux. Après 2, 3 mots, c'est comme ça que ça s'est passé. Et elle a ri de bon cœur, de très bon cœur. Ah, eh bien tu vois, je me suis trompée. Tant mieux, tu me rassures, vraiment. Et je vais même te dire mieux. C'est Sophie qui a ri la première. C'est Sophie qui a ri la première. Oui. Elle a ri et toi tu as ri après. Oui. Mais elle, pourquoi elle a ri? Elle a ri parce qu'elle a senti que j'allais rire. Elle a ri pour me mettre à l'aise, si tu veux. Ça ne vaut rien si elle a ri en premier. Si elle a ri en premier, c'est pour désamorcer ton rire. Ça ne signifie pas qu'elle riait de bon cœur. Elle riait de bon cœur. Elle riait de bon cœur, mais pas pour la bonne raison. C'est quoi déjà la bonne raison? J'ai un trouble. Elle ne riait pas du ridicule de son tableau. Vous ne riez pas, elle et toi, pour les mêmes raisons. Toi, tu riais du tableau. Mais elle riait pour te plaire, pour se mettre à ton diapason, pour te prouver qu'en plus d'être une esthète qui peut investir sur un tableau, ce que toi, tu ne gagnes pas en un an, elle reste ta vieille pote iconoclaste avec qui on se barre. Ouais. Tu sais, oui, tu vas être étonnée. Oui.
Je n'ai pas aimé. Mais je n'ai pas détesté ce tableau. Bien sûr, on ne peut pas détester l'invisible, on ne déteste pas le rien. Non, non, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelque chose, ce n'est pas rien. Tu plaisantes. Je ne suis pas aussi sévère que toi. C'est une œuvre. Il y a une pensée derrière ça. Une pensée ? Une pensée. Et quelle pensée ? C'est l'accomplissement d'un cheminement. Ce n'est pas... Attends, c'est par hasard. C'est une œuvre qui s'inscrit à l'intérieur d'un parcours. Mais ris. Tu répètes toutes les conneries de Sophie. Oh, chez elle, c'est d'un grand, mais chez toi, c'est d'un comique. Tu sais, Marie, tu devrais te méfier de ta suffisance. Tu deviens aigrie et antipathique. Tant mieux, plus je vais, plus je souhaite déplaire. Oh, bravo, une pensée. On peut parler avec toi. Une pensée derrière ça. Ce que tu vois est une merde, mais rassure-toi, rassure-toi. Il y a une pensée derrière. Il y a une pensée derrière ce paysage? Non, hein. Trop évocateur, trop dit. Tout est sur la toile, il ne peut pas y avoir de pensée. Tu t'amuses, c'est bien. Evelyne, exprime-toi en ton nom. Dis-moi les choses comme tu les penses, toi. Je ressens une vibration. Tu ressens une vibration. Tu nies que je puisse apprécier en mon nom ce tableau. Évidemment. Et pourquoi? Parce que je te connais. Parce que, outre tes égarements d'indulgence, tu es une fille saine. Je ne peux pas en dire autant te concernant. Evelyne, regarde-moi dans les yeux. Je te regarde. Tu es émue par le tableau de Sophie? Non. Réponds-moi. Demain, tu épouses François. Tu reçois en cadeau de mariage ce tableau. Tu es contente? Tu es contente. Mais bien sûr que je ne suis pas contente. Mais d'une manière générale, je ne suis pas une fille qui peut dire « je suis contente ». Je cherche un événement dont je pourrais dire « de ça, je suis contente ». Es-tu contente de te marier ? M'a dit un jour bêtement ma mère. Es-tu seulement contente de te marier ? Ben sûrement, maman, sûrement. Mais comment ça, sûrement ? Mais que signifie sûrement ? On est content ou on n'est pas content ? Mais que signifie sûrement ? On est content ou on n'est pas content ? Toilette.
sûr, Françoise, pas sûr, hein? Pourrir, pourrir! Si, Carole.
Ah ben ça, les impressionnistes, ils en avaient du talent. Parce que je sais pas si vous avez été visiter la ville d'Argenteuil. Oh mais alors, c'est une horreur ce Argenteuil. Et encore qu'aujourd'hui, ils ont refait la place, aménagé le petit pont. On s'imagine pas ce que ça devait être de leur temps. Alors moi je dis, rien qu'à arriver à peindre ces deux villes pourries d'Argenteuil et qu'elles se retrouvent maintenant dans un musée, alors là, moi je dis, chapeau bas les impressionnistes. Ils étaient pauvres, faut dire. Ils n'avaient pas les moyens d'aller peindre le boulevard Saint-Germain. Oh, la Villa Rotunde. Oh. Enfin moi, on me le demandera jamais. Mais si on me le demandait, je répondrai, c'est le grand art. Et c'est le grand art, pourquoi? Parce que dans l'impressionnisme, on reconnaît tout et en même temps, c'est pas pareil. C'est tout à fait juste. C'est comme Léonard de Vinci, tiens. On reconnaît tout, mais c'est pareil. La Joconde, par exemple, elle était la même que sur le tableau. Dans la vie. Trait pour trait. Bah, à quoi ça sert de la peindre, alors? Eh bien, je vous le demande. Moi, Léonard de Vinci, je le hais. Je n'ai jamais pu le supporter. Attention, hein, Madame Colette. Il n'était pas le seul à tout copier au millimètre près, hein. Peut-être, mais lui m'aurait pris au-delà de tout. Ce côté, monsieur, je sais tout faire. Peinture, sculpture, anatomie, bricolage, et j'en passe. Ouais, c'est vrai. Ça, au bout d'un moment, ça peut énerver. Ok. Et puis qu'assiette avec tout ça. Léonard de Vinci. Bah oui, il va s'incruster chez François Ier comme s'il était chez lui. Incroyable. Bref, tout ça pour vous dire que le mois dernier, je prends 4 jours de vacances. 4, pas 12, pas 7, non 4. En Lorraine avec mon mari à Blois, un hôtel sympathique. Chambre 22, lié à la colonnade, poutre. Et la patronne, toute fière, qui me dit, vous savez qui a dormi dans ce lit? Léonard de Vinci! Non! Et absolument! 4 jours de vacances! Pas 9, pas 3, non 4! Pour tout l'hiver, il me les fout en l'air! Ça finit par vous rendre méchant! D'ailleurs, mon mari a failli s'inscrire au Front National! Non! Il a fini par penser que Léonard de Vinci était arabe pour nous dérouter comme ça. Oh ben remarquez, il était italien, c'est pas très loin quand même. Qu'avec les nerfs, ça va très vite le racisme. Heureusement, il existe des artistes qui ont conscience de ce que représente un congé hivernal de 96 petites heures pour quelqu'un qui a un salon de coiffure ouvert toute l'année, 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Mais oui, madame, on est obligé avec la mondialisation. Oui, mais il n'y avait pas un Italien parmi eux, ça je peux vous le dire. Tous français, ça compte. Des chômeurs français. Les impressionnistes. Mais oui, madame, hein, à l'époque, c'était des chômeurs français. Mais on pouvait être fiers de nos chômeurs. Ça, c'est sûr, hein, parce qu'on aurait 10% d'impressionnistes dans la population active, on n'en serait pas là. Bon, allez, moi, c'est ma pause café. Oh, en tout cas, italien ou arabe, moi, je passe un moment idyllique. Pas toi, Henri? Ça va. Oh, et la chance, c'est le soleil. Alors qu'il pleuvait quand on est arrivé. Ah, pour moi, musée plus soleil égale rêve. Carole. Oui? Est-ce que tu peux arrêter d'être en joie? Pardon? C'est être joyeuse! Joyeuse! Moi? Oui, toi! Ça me gâche tout! Que je sois contente! C'est pas que tu sois contente qui me gâche tout, c'est que tu sois contente tout le temps! Mais Henri! Mais oui, depuis 6 heures ce matin, tu es contente! Tu étais contente que le réveil sonne! Tu étais contente de prendre le car! Tu étais contente de l'arrêt pipi sur l'autoroute. Ça fait 25 ans que tu es heureuse. Ça fait beaucoup. Henri. Et dans les musées, ça augmente. Mais non. Mais si, l'art te multiplie l'euphorie. Même la porcelaine allemande au deuxième.
Les assiettes marrons avec les têtes de sangliers. Les soupières avec en forme de pote. Les casques à pointe en salière. Tout a rendu heureuse, tout. Tu sais, Henri, que tu oses me dire tout ce que tu ressens, oh, ça me fait un grand plaisir. Que tu oses être toi-même ici devant tous ces inconnus et devant de très grands artistes, je trouve même ça formidable. J'en peux plus. Henri, tu vas aux toilettes? Oh, tu verras comme elles sont jolies les toilettes dans ce musée. Henri, Henri. Bon, c'est fou ce que ça passe vite les impressionnistes, hein. Il y a une exposition là-bas, on va peut-être continuer un peu. Qu'est-ce que c'est? Matisse. Ma quoi? Matisse? Matisse. Mais dis donc, c'est pas un peu juif ça comme nom? C'est possible. C'est possible aujourd'hui. Ok. Allons voir. Bon, on n'en parle pas. Bien, mesdames et messieurs, voilà. La visite du musée est maintenant terminée. Je vous prie de bien vouloir sortir par le grand hall en restant groupés. Groupés! Si vous ne voulez pas finir happé par des perspectives illusoires et finir petit. Tout petit! Car c'est en restant ensemble